France 2 rend hommage à Jean-Pierre décédé ce mardi en rediffusant un Thé ou café que nous lui avions consacré, c'était en 2010. Était présente à ses côtés Françoise Dorin, sa compagne, décédée il y a quelques mois de cette année. Le théâtre était l'affaire de leur vie. Elle écrivait, il jouait. Vous avez quel âge était le titre de leur dernière pièce, une fable piquante sur le temps qui passe, une véritable cure de jouvence. Jean-Pierre aurait eu 94 ans aujourd'hui. Bonjour Jean-Pierre, ravi de, de vous retrouver, Merci. on va parler bien sûr de ce one man show en définitive, puisque oui, vous ça êtes ça peut s'appeler comme ça, ça oui. c'est euh, « Vous avez quel âge ?» et c'est à la Comédie des champs élysées et c'est vous Françoise qui avez écrit ce texte. Alors on a beaucoup de questions à vous poser, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous ont envoyé des mails, nous demandant justement diverses choses concernant, vous savez, votre longévité. Oui. Bon, vous le donneriez votre âge Moi 86. On sent les années et comment <laughs> Oui, non, ben on pourrait mentir en disant non, non, ça va. On... Non, on sent les années 50. Et particulièrement, si vous voulez, les... eh, disons que jusqu'à deux ou trois ans, ça, ça fonctionnait partout très bien, etc. Et depuis deux ou trois ans, euh, on sent les années. Oui, Il y a des lourdie. petits dysfonctionnements. Oui, exactement, pas. Pas, oui. Vous êtes né dans le Nord et vous êtes oui. très attaché à cette région. Oui, bien sûr. Je, suis, je me sens complètement. D'abord, je me sens complètement français. Mmh. Ça, c'est la première chose. Même franchouillard, si vous voulez. Mmh. Et je me sens nordiste de partout les ports de la peau. Je suis, je, je suis presque plus à l'aise à Bruxelles, qui n'est pas tout de même la capitale de la, du nord de la France, mais qui n'est pas très loin de Lille. Je me sens presque plus à l'aise que dans des grandes villes du... Oui, ouais. par exemple Marseille, sinon pour le football. Ça, le football, ouais. je suis Marseillais. Ah, ça, c'est un point commun entre ouais, vous ouais, deux. Ça, hein. un heureux ouais. point commun, parce ouais. qu'elle aime bien le football, et moi aussi. Et là, j'ai bon, été lillois avec le LOSC il y a des années, et maintenant je suis Marseillais parce que Marseille est une équipe qui est attrayante. Enfin, et bon, ça, ça vous a ça. fait plaisir, l'engouement pour le, le film euh, Bienvenue chez moi ». Ah bah j'ai trouvé ça charmant. D'ailleurs, ce qu'il disait est très juste. Des gens, euh, euh, j'ai souvent constaté ça avec des, la, la, la presse, la radio, etc. Euh, ils arrivent dans le Nord sans être tellement, tellement exaltés en se disant mmh, bon, hein, mmh. et au bout d'un certain temps, il y a une chaleur humaine, ouais, un il y a une gentillesse, oui, mmh. un attachement. Ouais. Quelle valeur vos parents vous ont transmises, vous, Jean Je ne peux pas vous dire. J'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans, donc c'est très tôt. J'ai eu l'impression après de retrouver d'autres personnes dans ma vie féminines qui ont un peu servi de, de, de mère. Ce ce, je crois que ce, qu ce que m'a légué mon père, si vous voulez, c'est le, le sentiment de... Euh, quand on lui disait, que, que feront votre, vos fils, parce que j'ai un frère, j'avais un frère, et il disait, ils feront comme moi, ils ébrouilleront. C'est ce sentiment de débrouillardise mm -hmm. qui m'a toujours. Le été... système D. Oui, le système D. Enfin, système D sans, sans excès, parce qu'il ne mm -hmm. faut quand même pas exagérer non plus. Mais le sentiment de faire face aux, aux, aux événements avec un certain courage, disons, et, et une certaine décontraction, malgré tout. Je ne suis pas un anxieux. Vous avez été élève d'un beau beau lycée, hein Jean-Claude oui, Saillie. Euh, alors avec ça, euh... c'est vraiment le, le sacrifice de mes, mon, mon père, ouais. appartenant à cette génération. Je n'ai pas fait d'études, mes fils en font. Euh, bon, à quoi que, à, alors qu'il avait fait des études, mais enfin, il voulait que je fasse des études. Je me suis retrouvé après. à la chanson de Sailly, Des camarades oui. illustres, hein, Illustre. il y a Decaux, oui. il, y a, euh, Lautner, il y avait Dassault, Lautner. Oui. Est-ce que vous auriez aimé avoir la vie de l'un d'entre eux Je me rends compte maintenant que non, pas du tout. Je suis <laughs> content d'être acteur. Vous vous souvenez de la première audition à la Comédie Française Bien sûr. Qu'est-ce que vous bien avez sûr. passé J'ai passé le barbier de Séville, la première scène du barbier. Vous en souvenez Ah Oui, bien sûr, oui. Mais, enfin, il, faut mais pourtant, il faut être deux. Juste... Bannés, sans le chagrin, il nous consume sans le feu du bon vin qui nous rallumerait du talanguir, l'homme sans plaisir. Vivrait comme un sot, il mourrait bientôt. Jusque-là, ceci ne va pas mal. Un, hein, un, hein et voilà, j'ai été engagé sur ce petit détail-là, c'est-à-dire quand Figaro entre sur scène et qu'il chante sa chanson. À aucun moment, vous avez arrêté d'avoir quitté euh, la Comédie française non. non. 25 parce que... ans, hein, quand même. Hein 25 ans. Hein 25 ans, oui, c'est un terme important, mais j'avais vu les choses, j'étais membre du comité d'administration, du comité de. de... Oui, copie d'administration et de lecture. Donc, j'avais vu ce qui se passait. À partir de 20 ans, à cette époque-là, les règlements maintenant sont différents, je crois. Mais à cette époque-là, à partir de 20 ans, vous pouvait partir. Ou partir ou être... Mmh. Faire admettre oui. ses droits à la retraite, comme on disait publiquement. Remercier, quoi. Remercier, oui. Donc, si vous voulez, je me suis dit, il faut ne pas, faut pas attendre ce terme-là. Mmh. Je suis parti au milieu de ma vie. Je fais deux carrières. Je suis parti à 48 ans. Et à 48, 49 ans, je, je jouais la pièce de Françoise. C'était un tournant. C'était un tournant, oui. D'ailleurs, c'était très drôle. Parce que la première lecture qu'elle m'a faite, c'était dans son bureau. Elle m'a dit « Je ne sais pas ce que vous déciderez, mais ça s'appelle le tournant. » Et ça a été un tournant, oui. La suite nous est racontée par Laurence Boulet. Mon destin était peut-être de jouer la comédie euh, bon. devant, devant un public vivant plus que devant un, une caméra. Oui, la vie de Jean-Pierre c'est avant tout le théâtre. Pourtant, ça commençait assez mal. Il est d'abord viré du conservatoire, mais contre toute attente, il se rattrape, et même brillamment. Il entre à la Comédie-Française et y restera pendant 25 ans. Il interprète avec un immense succès plus d'une centaine de rôles, dont Cyrano de Bergerac à plus de 300 reprises. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis C'est un cap, c'est une là-dessus. En 1973, il quitte la comédie française pour jouer une pièce de Françoise Dorin, le tournant « Un triomphe ». Mais sa grande popularité, c'est à la télé qu'il la doit avec deux séries, « La Gardère » et surtout « Les Rois maudits ». J'ai le sentiment n'avoir fait que ça dans ma vie, car quand je vais partout, on me fait « Ah, les Rois maudits ». Pourtant, il n'a pas fait que ça, Jean-Pierre. Il peut tout jouer, aussi à l'aise dans les pièces classiques que dans le théâtre contemporain. Et vous saviez combien on vous regrette quand vous nous avez quittés vous partiriez plus vite encore. Comédien comblé, Jean-Pierre est également metteur en scène. En 1997, il décroche le Molière pour l'adaptation de la pièce L'affrontement. Je vous remercie tous qui si avez voté pour moi. Jean-Pierre, c'est aussi une hygiène de vie. Je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Et grâce à cette discipline, il peut continuer à pratiquer son unique addiction, le théâtre. Quand on regarde ce parcours, on se dit c'est facile. Mais est-ce que néanmoins, vous avez euh, rencontré des, des traversées du désert Est-ce que vous êtes inscrit aux ascédiques Aucune. Ah bon Non, je vous dis, j'ai, je, crois, quand même. je crois que j'ai eu de la chance, quoi. Oui, des chances euh, renouvelées. Non, je n'ai jamais eu de traverser du désert. Mais attention, je, je, quand j'étais dans un succès, je préparais déjà un petit peu l'avenir. C'est-à-dire, je pensais à ce que j'allais faire après. Et j'ai toujours eu ce sentiment qu'il était nécessaire de penser à ce qu'on allait faire après. Mais néanmoins, attendez... vous n'êtes pas carriériste. Non, ça pas se serait... tout, non, pas du tout. Je... Le seul regret que j'ai, c'est que si j'avais été un peu plus carriériste, j'aurais fait un peu plus de cinéma. Oui. Surtout à partir de 48 Comment vous ans. vous l'expliquez, quand... ça. Quand ben, pour deux raisons. D'abord, parce que oui, justement, je n'ai pas poursuivi, j'ai eu des rencontres. Mais enfin, vous savez, quand vous ne faites pas un film avec 3 millions d'entrées, ça ne s'arrange pas très bien. Hein. Mm -hmm. Donc, vous n'avez jamais cas. décroché votre téléphone auprès d'un réalisateur pour lui demander un rôle Jamais. C'est par quoi Par orgueil titre, Par amour Par orgueil, propre. Par, hum. par pudeur aussi. Euh, oui, parce que puis je trouve, j'ai l'impression que. <laughs> J'avais envie de dire, venez me chercher, mais non, c'est pas vrai, j'ai fait une erreur, là, il ne faut, ah. faut pas attendre. Qu'est-ce que pensé, vous en pensez Nous avons exactement la même maladie tous les deux. Euh, je suis étonnée, quelquefois, j'entends gens me dire, tiens, j'ai reçu une pièce de un tel, un tel. Jamais, moi, je n'ai présenté une pièce à un tel ou un tel. Euh, c'est un tel et un tel qui, qui a téléphoné chez moi et qui m'a demandé. Nous, en fait, on est toujours venu euh, vous chercher, tous les oui. deux, l'un comme l'autre. Oui, exactement. Et les... c'est un confort et c'est un danger. Parce le... que bah, bah, Le danger, parce que justement, on se, on se, on se complaît dans ce confort-là et on ne cherche pas à faire plus. Il y a aussi des, des paroles de chansons formidables, Françoise, parce que. On a dit parolière, bien Mais sûr. Tout, de tout, tout, tout est parti euh, d'une chanson dont euh, oui, la même. Je vous vois venir. Voilà. <laughs> euh, de, dont Charles Aznavour a fait la musique. Euh, euh, quand même neuf mois après que je l'ai présentée à son édition, sans connaître absolument personne. Encore euh, une fois. En, encore oh, une oh, fois. Et, et ouais. simplement le, 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 la personne qui, qui m'a reçue dans, dans le couloir m'a dit, l'a lu comme ça et m'a dit, écoutez. Tout ce que je peux le faire, c'est la mettre au-dessus du tas, car il y, y avait deux tas de chansons qui attendaient les musiques d'Aznavour. Ça a marché. Voilà. Et, et tout d'un coup, j'ai reçu un coup de téléphone. Ça y est, monsieur. Mais je ne savais même pas de quoi on me parlait. Monsieur Aznavour a, a mis une, de la musique sur une de vos chansons. Ah bon C'est laquelle Parce que j'en avais fait tellement que c'est triste de venir. Ah bon et je ne me rendais pas compte de ce que ça allait être. Les plus marquantes, hein, les chansons de Françoise Dorothe. Que c'est triste de venir le soir sur la lagune. Quand on cherche une main, que l'on ne vous tend pas. Et... Jamais, 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 oh non, jamais, n'avoue jamais. Ça rappelle des, plein de souvenirs, ça, pour vous Ah oui, oui, oui. Mais t -t -t -tout, tout est parti de, de, de la chanson pour moi. Ça m'a redonné une confiance en moi mm. que j'avais, mais complètement perdue. Perdu. Ça crée des liens euh, d'être parolière d'une chanson, avec Aznavour notamment. Vous oh êtes bah, amis euh, nous, nous sommes toujours heureux de nous rencontrer. Et moi, je ne l'oublierai jamais parce que c'est beaucoup plus qu'une chanson. C'est tout ce qui a suivi aussi avec. Et grâce à ça, c'est le moral qu'il m'a changé. Mais ça, euh, sans doute qu'il l'ignore. Mm. Euh, quelle est la chanson Jean que vous préférez Ah bah, elle est écrit, deux, que je, moi c'est oui. que c'est Venise, ouais. j'adore ça. Ouais. J'ai écrit pour lui ouais. aussi, et vous l'avez oui. interprété. Je l'ai interprété. Oui, ça ouais, donnait quoi dans, un, dans une émission des Carpentiers, c'était. Vous vous en une, souvenez du texte euh, Ça s'appelait l'humour ensemble. Question passion, question quelque chose, extase, extra, question passion, question extase. Ça laisse un peu à désirer. Question grand mot et grande phrase. On n'est on pas vraiment on pas inspiré. Vraiment inspiré. Enfin bref, je vous la chanterai une autre fois quand je l'aurai réapprise. Vous jouez pour la cinquième fois, je crois, un texte de, de Françoise. Ah, oh, c'est bien possible, je pas compté, oui. Non, on, nous, on a compté. Euh, donc, vous avez quel âge euh, C'est un texte que vous aviez depuis longtemps euh, en main oui, ou pas Oui, l'idée très elle a été exploitée, mais ouais. vraiment tellement différemment qu'on ne peut pas la reconnaître. C'est un sujet récurrent, hein, quand même, chez vous. Ah oui. Oui, oui, oui le, le sujet reste le même parce que il a été de tous les de tous les siècles, je crois. Oui, l'âge est, est prépondérant dans la vie des gens les années qui, 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 qui filent, qui coulent, et on sait bien sur quoi elles débouchent. Donc, c'est forcément notre sujet, notre grand sujet à tous les hommes et à toutes les femmes. Voilà, et' il me trotte dans la tête, mais cette fois, il a pris une, une forme vraiment théâtrale. Hum. Comment fois. vous avez réagi vous, aux gens en entendant ce texte Vous le connaissiez, vous en connaissiez des bribes C'était parti d'une soirée littéraire qu'on avait faite il y a très de, de nombreuses années, il y a plus de 30 ans. Et, et on s'était rendu compte qu'il y avait évidemment un impact à travers les, les, les textes de, 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 des trois siècles qui nous ont précédés. Et donc, elle a remis ça au goût du jour. Moi, je, bon, je, je suis entré à pieds joints dans, dans, dans tout ça parce que d'abord, c'est drôle, c'est essentiel. Faire rire avec des choses qui ne sont pas toujours, c'est les années qui s'ajoutent aux années. Il y a beaucoup de dérision. Hein. Oui, beaucoup. Il y a des citations qui restent tout même aussi. Ça prouve qu'il n'y a pas que nous qui avons pensé à ce, à ce genre de, de problème. Et puis surtout, si vous voulez, ce qui m'a plu, c'est qu'on n'insulte pas la jeunesse. On, la, on ne la respecte pas on la chahute autant que les vieillards parce que moi quand on me demande qu'est-ce que vous jouez je dis je réponds vous avez quel âge je vois dans l'œil des gens pourquoi ils me demandent ça bon dans ce cas-là je rassure tout de suite c'est le titre de la pièce mais on n'a pas insulté la jeunesse parce que euh, euh, on le dit par exemple euh, bon euh à 20 ans, on peut être con, mais à 80 aussi. La seule différence, c'est qu'à 20 ans, ça peut être provisoire. À 80, c'est définitif. <laughs> Donc, si vous voulez, ça, ça réconcilie la jeunesse et l'âge mûr. L'âge très mûr, très très mûr même, etc. Et c'est ça, le, 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 grand, le grand... Comment vous dire La grande caractéristique de, de son... On a passé son... un petit moment avec vous. On, était, euh, on est allé au théâtre. On vous a cueillis, d'ailleurs, au théâtre, l'un comme l'autre. Et c'est Laurence Boulet et David Fonsard qui vous ont accompagnés au cours de ces moments. Théâtre. Mon rêve de jeunesse et eh ben voilà, il est exaucé, me voilà dans un théâtre avec une pièce que j'ai écrite et que Jean-Pierre oh mais quel bonheur, mais quel bonheur. J'aime mieux un théâtre plein qu'un théâtre vide. Mais enfin quand il est rempli par moi, c'est déjà quelque chose. Alors ça, c'est idéal. Et en plus, je ne dérange personne, j'ai horreur de déranger. J'aime pas être trop près, moi. Parce que là, je trouve qu'on est à peu près le regard à la hauteur du plateau. J'aime pas être comme ça. Dans la vie, j'ai l'air très gai euh, comme ça, mais je, je ne ris pas facilement. Je ne te demande pas mieux de rire, mais je ris peut-être plus difficilement. Parce les choses, on, voit, on voit certaines choses. On voit arriver des choses. J'ai toujours le souci de, de comprendre pourquoi on rit. Je, je décortique une chose. Il y, y a longtemps que je que je n'ai pas arpenté une, une, une scène. Je ne veux même pas regarder et imaginer qu'il y a une salle, qu'il y a des gens qui peuvent me regarder. Non, vraiment. Mais je, je prends plus de plaisir à jouer et à être sur scène que dans la salle. J'adore être sur scène. Mais alors, moi, ce n'est aucun regret. Non, c'est mon stylo, oui. Oh, enlevez-moi les projecteurs, mais pas mon stylo. Surtout, du temps restreint où j'ai fait de la comédie, j'ai... Paralysée par le trac, pour moi, le meilleur moment, c'est quand je salue. Ah, là, je suis, je suis contente. C'est mieux quand il y a du monde. Ah oui. C'est ah ben, que... beau quand il y a personne aussi. J'ai le trac les premières fois, bien entendu, parce qu'on lance un bateau et on ne sait pas s'il va prendre la mer. Mais euh, parce qu'entre un triomphe et un, et un échec, il n'y a pas tellement de, de, différence, de, de y a une différence de fréquentation. Mais il y a un mot de, de, de Vos que je trouve admirable. Il, il disait, un, un triomphe, c'est un bid auquel on vient d'échapper. Quand euh, Françoise est dans la salle, c'est quelque chose, ça vous c est, c est il a horreur. C'est terrible. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce que, si vous voulez, je ne prends pas de liberté avec le texte. Je, je dis son texte de A à Z absolument euh, fidèlement. Mais je sais qu'elle est tellement en attente de, de, de tout recevoir, mais moi, ça me déconcentre. Et elle vous fait des reproches après Non, elle n'oserait pas. <laughs> ah non, non, mais oui. ça se sent. Elle n'a pas besoin de parler. <laughs> oh oui. Bout dans l'œil. Ah. ah ben, il était temps que je Tiens, T'es encore en train de trafiquer mes textes Non non non, pas non. du tout. Non non, j'ai changé une place d'un truc, mais c'est tout. Non non non, non c'est la même, la même phrase. Je déplace une conclusion. Ah bon tu si, sais, c'est comme une chaise. Que tu... Non ça va, tu peux. Voilà, ça c'est ma deuxième partie, et ça c'est ma première partie. Mes petites affaires sont prêtes. Jean, c'est une sempiternelle question qu'on vous pose, mais néanmoins, je pense qu'elle est intéressante et tous ceux qui nous regardent cela euh, pose Les trous de mémoire, vous en avez J'en ai eu un une fois. Non, j'ai n'ai pas de trou de mémoire. Il enfin, je... Je a mais pas comment de Comment c'est ça... possible Parce que c'est une question de concentration et le trou de mémoire, ça arrive presque toujours à cause d'une fatigue. Ou alors quelque chose qui vous a déconcentré, soit une intervention dans la salle, soit le, le travail de celui qui est en face de vous, c'est un partenaire ou une partenaire. Là, vous êtes tranquille. Et là, je suis tranquille. Oui, je suis tranquille. <laughs> Mais ça m'est arrivé une fois dans le tournant où je me suis, je jouais. Là, bon, il y avait une partie assez difficile, un monologue de, 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 de exprimé par l'un et par l'autre des personnages. Et, et, et un dimanche matiné, je me suis dit « Mais pourquoi il fait ça comme ça, cette andouille ?» Et, et <laughs> j'ai été puni. Voilà. J'ai critiqué le, 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 mon partenaire. Et brusquement, je, je, c'était la 383e ou la 412e, je ne sais plus exactement. Mais là, j'ai eu un tournement. Mais ah, ça ne dit pas, Jean, mais oui, on ne perd pas la mémoire avec les amis. Si, si vous me demandez le nom de mes partenaires de cette époque-là, je vais me les rappeler. Ceux ce il y a un an et demi, je vais peut-être pas me les rappeler. Non, non, on chasse. Si, si, on perd la mémoire, c'était ça. Et alors, ce qui m'amuse, c'est qu'on me dit, mais comment faites-vous, Vous savez, la mémoire d'un acteur, c'est très différent. Il y a une situation dramatique à assumer. Il y a des sentiments à exprimer. Et Voltaire disait, tout ce qui part du cœur s'inscrit dans la mémoire. Or, nous, nous restituons des sentiments. Par conséquent, si on, on a les sentiments très clairs à l'esprit, les mots arrivent. Bon, de temps en temps il y a un truc, de moi je, je vous ai dit la raison, la raison c'est une fatigue mmh. ou une déconcentration. Mmh. Mais euh, je vois des gens qui s'obligent tous les jours à apprendre divers de, de racines. C'est une bonne chose euh, ça, c'est bien. C'est bravo, j'encourage toujours, mais je ne suis pas sûr de l'efficacité ah. parce qu'on peut se rappeler les verres de, de racines ou la fable de la fontaine qu'on a appris la veille et oublier complètement et de, le nom euh, de son voisin. Oui, on aurait, ça exactement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que l'âge vous a apporté, vos gens Rien, c'est vrai. Ça retire beaucoup de choses ça, et ça. Ça nous... répond à elle. Oui. C'est pas oui. tout à fait. Ça apporte aussi. Oui, je crois, oui, oui ça, 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 ça éloigne des, des, de, de la pression quotidienne, le, les, les, les événements de la vie, les événements sociaux, les événements politiques, on les reçoit, etc. Euh, autant on participe à fond quand on a 40 ans, 50 ans, etc. on prend de la distance. Euh, on zoom. Mm. Oui, on regarde ça parce qu'on se rend compte. Que, vous savez, quelqu'un m'a dit un jour je dis, ça ne va pas bien, en ce moment, ça va mal. Il m'a regardé parce que ça a été bien à un moment. On s'aperçoit que tout a toujours été difficile. Mm. Mm. Et ça s'appelle la vie. C'est une merveille, la vie. Donc il faut se dire que la vie, c'est un, un. Comment vous dire C'est un, un don reçu, mais qu'il faut savoir l'exploiter comme, euh, mm. comme tous les dons. Selon vous, quel est le plus bel âge de la vie euh, de la vie, euh, il faut admettre passée. que ce soit celui qu'on a une fois pour toutes. Le quotidien, euh, c'est une source d'inspiration pour vous Bien sûr. Bien sûr, j'écris uniquement sur le quotidien, que ce soit euh, mes livres ou que ce soit euh, les, les comédies, j'écris sur les choses que je vois, d'où euh, mon désir de connaître, d'observer et d'être d'une curiosité vraiment qui surprend quelquefois gens. C'est du vécu majoritairement. Euh, oui oui oui, ça, uniquement. Je, je regarde, je furette, j'écoute, je suis parfois indiscrète. Oui c'est ça, ça c'est vrai. Est-ce est -ce que, que c'est facile de faire rire sur ce thème Non, non. Mais d'une façon générale, faire rire n'est oui, pas, pas une chose facile. Euh, mais quelquefois, euh, que ce soit l'auteur, que ce soit l'acteur, on est surpris des, des réactions du public. On, on quelquefois on a on est Quelquefois déçus, on attend un effet qui, nous, nous a fait rire. Euh, rien ne vient et euh, le contraire arrive aussi. On n'attendait rien, ah, et ça les fait rire. Pourquoi Je sais pas. Alors, il y a quelques phrases qu'on a isolées de, de ce texte. Euh, des phrases qui sont sur ce, sur ce plateau, regardez. La première étant, Madame et Monsieur Attel ont la joie de vous annoncer qu'ils sont toujours vivants. Oui, ça, ça fait partie des choses qu'on devrait créer pour, pour éviter le trou de mémoire. Parce que quelquefois, un tel, il est mort ou il n'est pas mort Et les gens se demandent si je crois qu'il est mort, oh non, il n'est pas mort. Moi, si je t'assure que je crois qu'il est mort. En tout cas, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Donc, faire-part comme un faire part de naissance, un faire, -par part, de vie. Voilà, un faire -par part de vie. Ça peut-être même plus utile que les faire part de naissance. <laughs> parce qu'au fond, la naissance, bon, d'accord, il est né, c'est très bien. Mais il est toujours là, il ça existe aussi. Il y en a une aussi, une phrase que j'aime bien je, je perds mes dents. Je Mais meurs je en détail. détail. C'est Voltaire, oui, c'est ça, Voltaire, ça Oui. Alors, <laughs> oui. ça, ça, voilà, ça, ça, ça vous fait penser à quoi bah, on, perd, on perd ses dents, oui, c'est une façon de dire. C'est une petite mort annoncée, déjà, oui, Bon, enfin, oui. maintenant, évidemment, l'hygiène dentaire est de, beaucoup perc... plus développée que du temps de Voltaire, grâce au. On perd ses cheveux aussi. On perd ses dents. On s'éparpille par morceaux. Vous, vous, vous avez vu, maintenant, c'est la mode. Les hommes ont souvent la boule à zéro. Ouais. Et on se demande si c'est pour ne pas avoir la, la, la touffe à trois poils, qui, etc. Vous voyez, même un président sur, de la République ouais. très important, mmh. qui avait des petits problèmes de ce genre-là, et on sentait qu'il est ram, ramenait avec soin. – Vous voulez parler de, de, de VGE ?– Quoi ?– de, de VGE ?– Ça pourrait être ça, oui. <laughs> – Alors, il y a un autre, une autre phrase aussi, euh, c'est vivre, alors avouer, faire l'amour en MMS. Ah oui, ça oui. Ah ça j'aime beaucoup. C'est une histoire qui a Pour circulé suivre. beaucoup sur les sur l'internet, ça. En, oui, c'est vivre et faire l'amour en MMS, c'est-à-dire à 20 ans matin, midi et soir, à 50 ans mardi, mercredi, samedi, à 80 ans mars, mai, septembre, et à partir d'après 80 ans, mais meilleurs souvenirs. <laughs> voilà. Comment vous avez trouvé tout ça ah bah, en, le, cherchant. en cherchant. Okay. Ma, à ma... vous deux, parfois Non. Oui, bien sûr. Oui, j'en que... ai signalé un ou deux quand même. <laughs> c'est quelques droits d'auteur. Oui. Oh Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ma curiosité, mon, mon <laughs> sens de l'observation, euh, voilà. Mais dans les journaux, on pique des choses <rire> comme <rire> ça. Oui. Il y a une chose merveilleuse qui est un mot de Mauriac. Ce n'est pas parce qu'on dit la jeunesse, ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre. bon ça, on l'a piqué dans un journal. Elle l'a piqué dans un journal. Elle m'a dit c'est drôle ça. Oui, il faut mettre ça. La conclusion, lui aussi, est belle. Oui, bien sûr, vieillir, c'est emmerdant, mais quand on sait vraiment que c'est ça ou la mort, alors, alors. On, on trouve, trouve ça, ça épatant. épatant. <laughs> dans une société comme la nôtre qui prône un peu le jeunisme, euh, comment vous vous, vous sentez euh, Écoutez, euh, est... Honnêtement, vous... ça dépend des, des, des périodes dans les journaux. Parce que quelquefois, on prône, effectivement, comme vous dites, le jeunisme, mais quelquefois. Et en ce moment même, on aurait plutôt tendance à prôner une certaine expérience des personnes d'âge. Donc, euh, voilà. Quand on parle de chirurgie esthétique, euh, bon, euh, alors, alors, quel, alors, quel est là, votre commentaire J'estime que chacun a la liberté ou chacun. Que, non, chacun, parce que maintenant, les hommes s'y mettent aussi. Donc, chacun a la liberté de faire ce qu'il veut et ce qui lui rend ou le plus de service et ce qui le rend euh, plus ou moins heureux. Moi, personnellement, ne vous posez pas de questions. Non. Moi, c'est non. Euh, par peur de, de l'intervention euh, Oui, par peur de l'intervention. J'aime euh, mieux le, le, le naturel que, que l'améliorer Et vous, Jean ah, ben moi non plus, je suis. Ma femme. Non, je trouve que mais les hommes n'ont pas le même Pour moi, non, il n'y a pas de problème. Avoir des rides, c'est pas mal non plus. Mmh. Oui, oui. Des rides d'expression, c'est bien connu. Il y a, des marques, y a des marques utiles, oui. oui. Mais, oui. mais on ne dit pas d'ailleurs que les, que les femmes ont des rides et les, les hommes sont burinés Oui, c'est ça, oui, oui. <laughs> c'est oui, 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 oui. oui. différent, oui. 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 Alors, il y a eu des, des manifestations, c'est en dernier concernant la, la retraite, vous vous dites que c'est le, le travail hein, qui permet on, de rester jeune. Bon. Bon. On peut on ne peut pas, on ne peut pas euh, nous parler vraiment objectivement parce que euh, on a une passion, lui comme moi d'ailleurs c'est notre métier. C'est uniquement notre Est-ce que vous comprenez l'un comme l'autre les, les revendications de ceux notamment qui ont des conditions de pénibilité dans leur travail Oui, euh, voilà. Mais à condition euh, qu'on tienne compte aussi que l'âge a changé. Que euh, chez mes grands-parents, les, les gens de, de 40 ans, même chez mes parents, euh, commençaient à être bedonnants et à parler et à envisager déjà leur vieillesse. Tandis que maintenant, euh, disons-le, les femmes de 40 ans, elles le feu. Alors, euh, ce n'est pas du tout la même chose. L'âge a bougé, l'âge nous a donné. Donc, vous êtes favorable à ce que l'âge de la retraite euh, aussi bouge Je trouve ça logique. Logique, elle bouge un peu comme euh, euh, bouge l'âge des gens. Ouais. surtout si la pénibilité est prise en compte. en réalité l'idéal ce serait de sortir d'un travail pénible à un âge pas trop avancé mais de retrouver une activité Ça, car offens, sortir d'un travail pénible c'est certainement une délivrance. Mais qu'est-ce qu'on fait après On, bon, et tout le monde n'a pas un petit jardin à bêcher, tout le monde n'a pas des loisirs à utiliser, etc. Il faut trouver une activité, car c'est l'activité qui permet de continuer à vivre agréablement. Parce que le vide, ça, ça apporte une sorte de vertige. Oui, sûrement, 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 sûrement. Il y a deux difficultés au foncer le départ. La difficulté de la jeunesse à l'heure actuelle, c'est trouver du travail, ça c'est certain. et C'est une angoisse parfaitement justifiée car il y a un grand chômage des jeunes. Mais il y a aussi, si vous voulez, de la part des plus anciens, le sentiment de, bon, qu'est-ce qu'on fait après, quand on a pris la retraite Oui, bien sûr, le mot retraite, c'est merveilleux. On se dit, on va pouvoir ne rien faire, parce que Bulé, se, lever, ouais. se lever à 9h du matin ou à, ou à midi. bon. Mais tout ça est à la fois vrai et faux. Il faut avoir une activité quelconque, sinon ça on se... On un se, projet Complètement, mmh. complètement. Et ça, il que... faut l'organiser soi-même quelquefois. Est-ce que cette longévité qui est, qui est la vôtre, euh, elle est aussi favorisée par le fait que vous ayez des petits-enfants Est-ce que ça joue, ça Il y a un grand silence qui va s'établir. Ouais, mais... Je bien. ne crois pas, non. <laughs> une autre question Non, 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 je ne crois pas. Non, 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 non. Euh, ne ça peut être une activité, d'ailleurs, pour certaines certains, ouais, catégories de parents, pas pour etc. Vous. Non, non. Honnêtement, euh, on, on, on regarde les jours où on n'est pas trop occupé pour pouvoir mmh. euh, leur parler, etc. Mmh. Mmh. Et, et... Mais si vous restez branché, c'est aussi grâce à eux ou pas non. Euh, non. Si. Moi, mmh. Jean Adignon. Oui, oui, je, je bien entendu. Mais je vois, j'ai actuellement un, un de mes petits fils à la maison et je suis tentée de, de lui, de, toujours ma curiosité, de, de lui demander des, des expressions et d'écouter un peu les raisonnements qu'il qui, qui, qui me tient. Et c'est vrai qu'ils savent des choses que nous, nous ignorons. Ce qui m'énerve prodigieusement, parce que eux, ils savent encore moins de choses que nous savons. Je vais vous laisser pendant 60 secondes tout seul. Une minute Oui, Pendant une minute, vous allez être seul face aux téléspectateurs. Et vous voulez qu'on parle de vous, peut-être Pas du tout. Non. Je voudrais que vous parliez aux téléspectateurs et surtout que vous les gardiez avec nous. Pendant une minute. Une minute, 60 ah, secondes. Il s'y prendre très ah, allons, trop, bon. À tout à l'heure. Je mets à tout à l'heure, oui. À tout à l'heure. Alors, du coup, tu mets tes lunettes. Oui, je mets mes lunettes pour pouvoir te regarder, sinon je ne me rendrais pas compte de ce que tu es devenu depuis le temps que je t'ai quitté, c'est-à-dire depuis hier. Depuis hier Je n'ai pas vraiment changé, tu depuis... Non, pas tellement, non, non. non. Quoi qu'on change minute par minute. Cela dit, c'est vrai. La question qu'elle posait à propos des petits-enfants, moi, je regrette une chose, c'est qu'ils n'ont pas, pas vu ce que j'étais quand j'avais 25 ans. Alors que moi, je vois ce qu'ils sont, alors qu'ils ont entre 20 et 25 ans. Et bien, c'est pas encore très dessiné. Et si ce n'est pas dessiné. Euh, Mais ce me... qu'il faudrait, c'est être sûr que ça les intéresse, ce que nous avons été à 25 je ans. Je crois, ils sont spectateurs de tout. Ils sont spectateurs de tout, ils s'intéressent à tout. Euh, donc, ils pourraient s'intéresser éventuellement à ce que tu as fait quand tu avais 25 ans et oui, ce que j'ai fait aussi. Tu viens de le dire, ils pourraient. Ah, ils ils pourraient. pourraient, mais je crois que ça ne les intéresse pas ah, si, Non, ça, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on, on montre des photos d'un de, 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 spectacle que j'ai joué il y, a, il y a 40 ans, moi j'ai 67 ans d'exercice professionnel. Oui. En tout cas, je vais les fêter le 2 janvier, je ne vais pas les fêter du tout, mais j'aurai 67 ans. Or, il, quand j'ai joué Cyrano, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Quand j'ai joué le Ruy Blas, ils ne savent pas ce que j'ai fait. Quand j'ai joué le tournoi, ils ne savent pas non plus. Sinon, des photos, et je vois par les photos, « Ah, c'est toi là, dis-donc, tu es beaucoup plus jeune, ou tu es bon. » Donc, on peut penser qu'ils s'intéresseraient. Et c'est dommage de ne pas pouvoir les intéresser avec, avec quelque chose de, de vivant, de présent. Il n'y a pas eu des, des, des DVD tout le temps euh, au début de ma carrière, comme, comme au début de la tienne non, non oui, oui, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas sûre euh, que ça les intéresserait. Mais euh, moi, je crois que à chacun son époque. Alors, on a l'impression de rentrer dans une conversation extrêmement intime, voire privée. Oui. En <laughs> oui, sachant quand même, on, on dit bien aux téléspectateurs que ce ne sont pas les mêmes petits-enfants. Oui, bien sûr. Ah Alors, bah, bien euh, sûr. Ah oui, pour voilà, être enfant. Oui. quand même. Voilà. Et, euh, et vous avez quand même des, des avis un peu divergents, hein, tous les deux. Ah oui, hein bah c'est ce qui fait qu'on reste, qu tient le coup, quoi. C est, c est... Si c'était oui. toujours, oui, 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 on s'embête. Je oui, oui oui, oui. Oui. Bah, oui. oui, non, 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 non. Ça <laughs> pire. Ça, c'est pire. Oui, mais mais c'est vrai. Moi, je sens une espèce d'indifférence pour ce qui s'est passé autrefois de la part de, de, de mes petits enfants. C'est du passé. Euh, je... Oui, ah. oui, c'est du passé. Oui, oui. Et, et, et même, euh, je, je parlais l'autre jour de leur premier euh, grand-père, c'est-à-dire Jean Poiret, pensant que euh, vraiment, étant donné l'actualité qui le concerne en ce moment même, euh, non, ça, 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 ça n'accroche pas des, 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 des demandes de souvenirs. Vous savez ce que disait Alphonse Allais on a beau dire et beau faire, il y aura toujours de moins en moins de gens qui auront connu Napoléon. Ce qui est incontestable. Ce n'est de pas, de moins moins pas, bah, pas faux. <laughs> Je vais vous emmener tous les deux, si vous le voulez bien, pour un dos à dos à trois. On y ah. va Dos à <laughs> dos, dos à 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 dos. Dos à dos avec vous, Françoise Dorin et Jean-Pierre, et puis des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Hum? Jean, est-ce que vous avez déjà menti sur votre âge Non, jamais, non. La dernière fois que vous avez invoqué vous, Jean, le prétexte de l'âge pour obtenir une faveur, oh, euh, je, je le ferai volontiers, c'est pour avoir une carte de priorité dans la file pour attendre les taxis, passer okay. avant les autres. Et vous, Françoise euh, Non, je, jusque là, ça ne m'est pas encore arrivé, mais parce que je n'ai pas encore euh, pris la peine de demander une carte de vieillesse à laquelle je droit. <laughs> Françoise, votre principal atout de séduction, m maintenant mmh ah, ben là, vous, vous me laissez absolument bouche bée. Euh, je, je ne sais pas, je, je séduis peut-être encore, mais euh, récemment, on ne l'a pas dit. Et vous On l'oublie. Certainement. Les mufles. Et vous, Jean <laughs> mon, mon atout de séduction Oui. Ben j'espère que c'est ma, ma, ma bonne humeur. Et votre talon Oh ben ça, c'est autre chose. Je, je, si, professionnellement, ça peut exister aussi, oui, bien sûr. Que dites-vous à un ami comédien, Jean, après la première d'une pièce que vous avez <laughs> détestée ben, je lui dit, écoute, euh, c'est euh, intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant et, et tu es remarquable. Mais, euh, parce que ça peut arriver dans une mauvaise pièce, ça peut être très bien joué, ou euh, une très bonne pièce qui est mal jouée. Mais ça, ça c'est plus compliqué, ça. Mais enfin, en général, j'essaie de ne pas trop tout de même m'apesantir sur les, sur les défauts. Moi, je vais vous dire, il est meilleur sur la scène que dans les coulisses. <laughs> la critique la plus féroce, François, sur vous, que vous ayez entendue, ou lu. Ben vous voyez, je ne m'en souviens plus. Et là, je, je suis parfaitement sincère, je ne m'en souviens plus. Et vous, Jean ben, J'ai jamais eu de très mauvaises critiques. J'en ai eu une très drôle un jour de Jean du Tour. J'avais joué, j'avais mis en scène une pièce qui était évidemment pas un chef-d'œuvre, mais enfin faut bien manger de temps en temps. Et, et euh, il avait dit à propos de la mise en scène :« On a l'impression de Digor Markevitch, dirigeant vient Pou Et j'avais trouvé <laughs> ça très drôle. Vos derniers rires, vous en avez souvent ah, c'est tous les deux. On a quelquefois des fous rires tous les deux. Parce que, brusquement, parce bon, on se surprend à parler bébé tous les deux. Bébé <laughs> Elle a, elle a oui. un côté petite fille. C'est-à-dire, Françoise, comment Elle s'appelle Fanfanzin dans ce cas-là, oui. Ces <laughs> cas oui, c'est exact. Alors, Alors quelquefois, je lui dis Oui, il est-ce qu'on se fait un sourire à Fanfanzin <laughs> Oui, ben, on n'en surprendrait plus, de quelquefois. Oui. <laughs> Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer, Françoise Lui ah, joli. Et vous, Jean Qu'est-ce que vous voulez que je réponde d'autre Elle. Euh, elle. C'est la moindre des choses. Sinon, je va le remettre dans une pièce. aurait l'air c'est une très bonne ça idée. Peut ça peut servir. Très bonne idée. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Jean, le sexe a-t-il un âge Vous parlez de qui, là En général. Oui, le sexe a un âge, oui, c'est incontestable, oui. Et, et là, c'est d'ailleurs. Et pour vous, Françoise Vous dites euh, la même chose Oui, oui, c'est certain. Euh, étant donné que pour moi l'esthétisme euh, a un âge donc euh, oui le sexe aussi ça, ça me semble aller de pair si je puis dire le mot d'amour que vous préférez Françoise toi ah c'est pas bête parce <laughs> que tu m'amuses tout de même tu sais <laughs> ah c'est bien ça ah oui bah ce je, je ouais, sera trouve. dans une prochaine pièce oui. <laughs> est-ce qu'il y a une, un chanteur Jean un chanteur américain notamment, le oh oui. crooner que vous oh aimez. Oui. Sinatra. Ah. Mais alors, 100 fois oui. Alors, ça, on le savait. On ah va retourner oui. à table. Oh, Sinatra, <laughs> oui. J'aurais voulu être Sinatra. <laughs> voulu être Sinatra. Ah. I've ah, J'ai cru que tu m'avais dit as dans... Oui, assurément. J'ai cru que tu m'avais dit à danser. -de -de -da -da -da. Oui, ça va ça sympa. Je ne connais pas les paroles en anglais, mais. Vous ba, avez ba, joué ba, de tant ba, de personnages, vous auriez aimé. Ah, J'aurais adoré. D'ailleurs, j'ai commencé ma vie professionnelle, si je puis dire, vers 7-8 ans. Je chantais à la terrasse des bistrots à la demande de mon père, à Roubaix, au café Jean, sur la place de la mairie à Roubaix. Ceux qui habitent Roubaix connaissent. Peut-être plus le Café Jean maintenant, mais la Place de la Mairie sûrement. Et je faisais la quête. Je prenais les petites soucoupes comme ça. Je... On me donnait deux sous, trois sous à cette époque-là. Et je devais avoir 6-7 ans et je chantais euh, « Papa n'a pas voulu, et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissent, hein, obéissent à leurs parents, etc. » etc. Ah oui, je pourrais vous chanter ça. très, bonsoir, très bonsoir, non, moi, Je ne vais, vais pas prendre la suite, ne comptez pas <laughs> sur moi. Je chante volontiers faux. <laughs> J'entends juste, chose. mais surtout les paroles. Merci beaucoup. Je voudrais vous offrir des livres. Euh, Asnavour, c'est pour vous. C'est l'intégrale. Oh, Toutes avec ces chansons plaisir. Préfacé ah, par euh, Attic euh, Raimi et c'est aux éditions Don Quichotte. Oui. Tous les textes, dont bien sûr le vôtre. Oh, je suis enchantée. C'est l'intégrale hein, des, des textes. Il y a les comédiens, je me voyais déjà. Oh là là. Euh, Emmenez-moi, bien évidemment. Et puis, alors, je sais que vous avez euh, écrit vous-même oui. euh, sur Sacha Guitry, mais Jean-Laurent Cochet a écrit également. Oui, ça savais, Ré oui. récemment sur Sacha Guitry à travers Guitry on a tout le théâtre dit-il avec la préface de, de Luchini c'est chez Oxus littérature pourquoi vous l'aimez tant Guitry parce qu'il est essentiellement français qui a une très belle langue c'est pas tellement le, le nombre de pièces il a écrit 120 pièces 125 pièces il est un des rares auteurs dramatiques à dire d'ailleurs à écrire à avoir écrit aucune de mes pièces ne me satisfait complètement et quant à la situation que j'occupe elle me surprend bien plus qu'elle ne comble mes voeux c'est un aveu d'une grande sincérité, d'une grande, mais enfin bon, c'est tout guiton a tellement dit qu'il était vaniteux, c'est pas vrai. Il y a tout dans dans dit il mais c'est sur cette écriture. Misogyne, on a dit ça aussi, non. On a dit ça parce qu'il a écrit un petit livre qui s'appelle Elles et toi. Et il y a que ce, ce livre-là qui est essentiellement dur. Et il a, il a eu l'élégance de ne pas dire à qui il l'adressait. Mm -hmm. En réalité, ça y va. Mais il a été temps. malheureux. En il amour. a été beaucoup plus cocu que, que, que Misogyne, si je puis mm -hmm. dire, si mm -hmm. on résume la, la chose comme ça. Non, non. C'est vraiment un, un grand auteur. Euh, il a, et puis il y a d'autres choses que le théâtre, sa moralise il, il y a beaucoup de choses à pêcher dans Dietrich, beaucoup plus que qu'on ne croit. Merci beaucoup. D'être passé euh, par euh, le plateau de, de Théo Café. Vous avez pris euh, du café avec nous. Euh, et on, on vous voit à 19h. C'est un bon horaire d'ailleurs, 19h. Euh, chaque soir, oui. à la Comédie des Champs-Élysées, euh, c'est avenue Montaigne. Passer par là. C'est jusqu'à quand eh bien, c'est jusqu'au 31 décembre. Ah oui, il faut faire vite, oui, quand même. Euh, oui, parce qu'après, il y a une pièce qui suit, etc. Et, euh, oui, ça y est, il faut faire vite. Enfin, après, je me promène un peu en province. Même. Ah, vous faites euh, une pour, petite oui, tournée. Une tournée. Merci beaucoup d'avoir pris ce petit déjeuner avec nous. Le café était très bon, c'est comme du noir qui vous le dit. Au revoir. Au revoir. Merci au beaucoup au revoir à tous revoir. les deux. Au revoir. Merci.